السلام عليكم مرحبا بكم معنا في حصتكم سري في كوزينتي معكم فيا ايكوندور اليوم راهي معنا ضيفه جد مميزه سي اون دونسوز بروفيسيونيل اسمها كاتيا حاج مسعود نرحبوا بها توت سويت مرحبا بك كاتيا صحه مزي على الاستضافه جو تون بري ميرسي بوكو لي راكي جيتي وحضر راكي حضر معنا اليوم و جو فوا تي با فيني لي مان فيد دونك جبت لك معايا ان انغريديون سوربريز اوكي است كو جو بوغري لو فوار بيان سور اوكي جي هاد دو ديكوفري سكو سي De la noix de coco râpée. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Est-ce que ça te dirait un gâteau à la noix de coco et au chocolat? Oui. Ok, on y va. Je pense que c'est bon. Je te la rappelle juste après pour les étapes. Alors, le but tout de suite, c'est très très simple. On met la noix de coco râpée, hop, on met tout. Mais le lait concentré sucré. Rahat jinak shoul la jina après quand on va mélanger les deux. Voilà. Et il est vraiment khatr le lait. Le lait concentré. Ouais. Ben, c'est ce qui fait qu'après on aura une pâte et tout, tu vois. D'accord. Voilà, voilà. Et donc là on va juste mélanger à la cuillère. Tu vas le faire? Ouais. Vas-y. Ouais. Tu me dis si je le fais. Tu le fais très très bien. Bravo. Tout à fait. Le plus important, c'est vraiment la pâte les mena, tu vois, c'est vraiment le plus important. Peu importe la manière, les délais. Hein. Ça sent déjà très très bon, hein. Oui, on est d'accord. Okay. Je pense que c'est bon. Juste, je veux juste confirmer. Merci. Voilà, un petit coup en plus. D'accord. Juste pour être sûr. Voilà, c'est parfait. Donc à Katia, on va passer au façonnage. Donc ça, j'en ai plus besoin, je me mets derrière. On va peser des boules de 22 grammes à peu près. Je sais que ça a l'air très précis, mais... Oui, très. Voilà. Alors, 22 grammes, bon, on peut aller jusqu'à 25, c'est comme tu veux. Voilà. Je te montre juste comment on fait la première, après tu pourras m'aider, ok? Ok. Ok. Là, c'est 22 grammes, à peu près 23. Ouais. Pas de souci. Donc là, du coup, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça s'effrite un tout petit peu. Oui, c'est vrai. Donc, on va faire ça comme ça. Bah, je vais faire ça. Et à ce moment-là, on pourra lui donner une petite forme très sympa, tu vois. Ok. Voilà. S'il te plaît, est-ce que tu peux me donner le plateau off le premier tiroir? Merci beaucoup. Je te mets. Mmh. Tu mets juste ici. Voilà. C'est la forme qu'on obtient. Voilà. Tu vois? On va la mettre sur le plateau et on va faire de même avec toute la quantité qui nous reste. Okay. Tu veux essayer? Ouais. Ok, vas-y. Alors, prends une quantité. 22 grammes. Oui. À peu près. Parfait, du premier coup. Bravo. Ok. Super. Alors. Tu compresses entre tes mains. Ouais. Mmh. Je crois que j'ai perdu 2 grammes. Ok, on va te les ajouter tout de suite. Voilà. Merci. Alors, ok. C'est très agréable à travailler. Oui. On est d'accord. Voilà. Après, tu vas essayer de faire une petite forme sympa comme j'ai fait moi. Bon, après, si on peut aussi faire des petites boulettes, là, c'est comme vous voulez. Ah, mais tu le fais très bien. Ah ouais? Vraiment très très bien. Est-ce que tu as l'habitude de cuisiner ou... Un petit peu, oui. Ok. Oui, oui. Je fais plus salé que de sucré. Ouais. Okay. Mais tu gères comme une chef. Bravo. Ah bah super. On peut le poser juste à côté du mien. Voilà. Bon, on a rien qui nous toute la quantité de prêt maintenant. On a donné les wilfons. La première chose, c'est qu'il faut mettre le chocolat dans le micro-ondes, Katia. Et pour ce faire, je vais le mettre directement en tablette. Sinon, ça prendra beaucoup trop de temps. Donc du coup, on va le hacher avec un couteau. Juste comme ça, tu vois. Donc plus il sera fin, plus il sera fin. D'accord. Et je vais le mettre dans le micro-ondes. Parce qu'il faut savoir que le chocolat a deux ennemis. Il a beaucoup trop de chaleur. Parce qu'il risque de brûler. Pour un chocolat brûlé, il est irrécupérable. Ok? Ah, et le chocolat brûle. Si, ça brûle. D'accord. Et deuxième ennemi pardon, c'est l'eau. Il ne faut pas mélanger du chocolat avec de l'eau. C'est impossible. D'accord. Voilà.
Alors, comme tu peux le voir, la première tablette, c'est bon. On va la mettre dans le bol. D'accord. Et tu vas me faire la deuxième. Ok ? Ça marche. Pas trop stressé ? Non, ça va. Ça va. Okay. J'espère que tu connais un départ que la force. Non, non, t'inquiète. C'est pas très froid comme chocolat. D'accord. À toi. Ok. Alors, comme ça ? Tout à fait. Je te tiens la tablette ? Oui. Pas que. Non, t'inquiète, c'est pas. Non, t'inquiète pas du tout. Ok. Oups. Ça va aller ? C'est trop gros. Pas de soucis. Je sais pas, mais je galère la technique. Non, mais ça va. Bon. Tu gères très bien. Tu gères très bien. Continue. Après, c'est à peu près la même chose. Hein. Regarde. Après, ça serait sympa si tu pouvais faire un tout petit peu plus fort. Oui. Voilà. C'est pas pour te mettre la pression, mais. Je suis quand même. Hein. Un tout petit peu. Je suis oui. Hop là. Tu veux une Kemel Feblas ou. Écoute, dès le maximum. Ok, quand tu seras fatigué, tu me diras. On va mettre deuxième couche derrière. Très nice. Non, mais pour le moment, c'est bien fait. Hein. Attention. Pas de soucis, t'inquiète. Ok. Si jamais tu me coupes le doigt, c'est toi qui vas finir la recette. Hein. Fais attention. Bon, mais allez. Je finis la petite partie qui reste. Merci Katia, c'est super bien fait. Bravo. Ça a peut-être le cuir au fait. Pas de soucis, non. En fait, la dernière partie, c'est vraiment la plus difficile, tu vois. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de masse, donc du coup, c'est un peu plus compliqué. Et voilà, c'est fini. Okay. Voilà, donc le chocolat Tana est haché plutôt finement. Donc, il faut le faire au micro-ondes. D'accord. Il ne faut pas le faire de n'importe quelle manière. Mm-hmm. Ça doit se faire très progressivement, tu vois. Tu le fais par tranche de 15 secondes à peu près, tu vois. D'accord. Ou à chaque fois, entre chaque 15 secondes, tu le sors du micro-ondes pour le mélanger. Voilà. On le mélange et on le remet. Remet à chaque fois. Voilà. Donc, du coup, je vais au micro-ondes pour le faire fondre et je reviens. Alors, c'est bon, le chocolat dab complètement. Comme tu peux le voir, il est vraiment très lisse et brillant. Oui. Et je te donne une astuce pour voir si le chocolat est brûlé ou pas. Mm-hmm. Tu peux mettre ton doigt à l'intérieur. D'accord. Si tu ressens de la chaleur, ça veut dire que c'est brûlé. Alors que là, par exemple, si tu testes, vas-y, on ne sent pas du tout la chaleur. C'est limite froid. Oui, c'est vrai. Alors que c'est fondu. C'est vrai. Tu vois ? C'est vrai. Ok, donc on va s'essuyer les doigts. Mm-hmm. On aurait clairement pu manger, mais un mandan, tu vois, donc. Hop. Genre. Voilà. Donc, à la prochaine étape, ce qu'on va faire, on va ajouter un tout petit peu d'huile à notre chocolat. Pourquoi ? Parce qu'on va faire un glaçage. Et là, le chocolat est trop épais, tu vois. On aura du mal à le maîtriser une fois qu'on sera d'accord, en train de décorer nos gâteaux. D'accord. Donc, du coup, on va ajouter un tout petit peu d'huile, genre limite l'équivalent d'une petite cuillère à soupe. D'accord. Voilà. Est-ce que tu pourrais mélanger, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. En plus, c'est encore plus brillant, tu vois ? Ouais, c'est vrai. Mmh. Parfait. C'est bon. Juste pour montrer la texture, ouais, vas-y, tu peux le montrer à cette caméra. Ok. Très joli. Très bien, super. Maintenant, on peut passer à la dernière étape qui est de décorer nos petits gâteaux à la noix de coco. Donc, on va venir les chercher dans le congélateur pour pouvoir faire cette étape. Super. Je reviens tout de suite. Ça marche. Alors, Kemal Kongadin Chofu, la base Tana, elle est parfaitement congelée. Donc, ce qu'on va faire après Katia, on va la tremper directement avec le chocolat. D'accord. On va la prendre avec la fourchette, enlever l'excédent, la reposer directement ici. Ok. Okay. D'accord. On y va. Hop. On essaye de bien couvrir. Mm-hmm. Après, on prend la fourchette et on prend notre petit gâteau et on essaie d'enlever l'excédent. Pour avoir vraiment une toute petite couche de chocolat. Voilà. Et on va venir la poser sur le papier cuisson. Hop.
Et avant que ça soit complètement congelé, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait lui donner quelques petites formes sur le dessus. On va faire ça. Tu vois? D'accord. C'est sympa, c'est mignon. Ouais, c'est vrai. Et c'est fini. On va faire de même avec toutes les autres et on aura fini. Super. On se retrouve juste après. Kimachoufou les gâteaux tanar, mouajdin. J'espère que ça te plaît. Ça a l'air trop bon. C'est vrai, on a hâte de manger tout ça après la danne. Ouais. Ou maintenant, ça, je vais essayer de certifier que vous êtes qui a toujours sous elle. Laisse-moi vous aller en commentaire. Mais je te prends bien sûr plein de cadeaux. Quand dort ou quand vient. Voilà, j'espère que nous fâche bêtement ou j'espère que vous avez fait dire comme. Laquelle auto, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire ou à nous donner un like. Mais quand on arrive, on vous dit comme ça, à très très vite, Inch'Allah.